Et bonjour à tous pour la suite. On est là pour la suite de Fire Emblem Path of Radiance. Donc aujourd'hui, on continue notre combat. On doit aller tuer le duc Oliver. On a eu un peu de renfort avec les corbeaux et les hérons. On va y aller. Voilà. Alors. Je ne veux pas de sous-sail. Attendre. Liste, on va mettre là. Protéger. Personne d'autre par ici, qui c'est? Alors lui, je vais essayer de le descendre un peu. Attendre. Attendre. Enfin. Fin ennemi. Pourquoi il m'attaque là? Il était pas tout loin, mais... Raté! Sans effet. Ça fait mal. Eh, hey, pourquoi le... Super. Pourquoi je sens que je vais perdre un bonhomme? C'est dégueulasse. Ça fait un moins. Ok, alors, bon. Je veux pas dire, mais... On va quand même se les farcir. Voilà. Alors lui, hein. Ciao mon mère, hein. Voilà. Oh, ça c'est pas mon jeu. Ah, celui-là il l'a morflé avec un coup critique. Bon, alors. Il nous reste quoi? Ça. Ça c'est pas bien ça. 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 Ça c'est pas bien. Mist, t'es où? T'es là. Let. On va te mettre là. Après, toi, on va te mettre ici. Voilà.
Elle risque rien ici. Elle risque rien là. Elle risque ici. Il va sur un petit chou ici. Pas trop là. Voilà. Ça c'est bien. Donc après, voilà. Voilà. Et si voilà. Bon, on va arrêter ici. Et de deux. Ça va faire mal, ça va faire mal, ça va rien faire. Allez! Guérir là, oh! T'as raison. On fera toujours ça en moins. Là, tu lui pètes la tronche. Voilà, ça c'est classe. Le plus proche, c'est lui. C'est quoi ça, un javelot? Lance. Je vais le mettre là. Ah, puis en plus, je peux l'attaquer! Mais c'est très bien ça! Qu'est-ce qu'il reste? Il reste plus grand chose, hein. On sélectionne tout le monde. Je vais voir où ils peuvent aller jusqu'où là. Ils peuvent pas aller bien grand. Donc, on va tout avancer là. Là. Ici. Là. Voilà. Ça, on va pas mettre le point. Titania. On va la mettre ici. Je veux protéger mes arrières, on sait jamais. Ratei.
bien fait. Quand ils attaquent une fois, d'accord. Sur les magiciens. Ouh la vache. Ouh, il a eu du vent en mal. Lui. Mais t'es sûr qu'il y aura des renforts, hein? Jusqu'où Et où jusque là? Mais non. Moi ils sont à l'abri eux. Attaquer, griffe, lui. Voilà, on va m'embêter. Niveau supplémentaire. Oh, joli. Non, c'est bon. Donc là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste? Là, là. Ça, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, on va lui mettre ça un peu par là. Qui c'est qui a besoin de vie? Toi, t'as besoin de vie. Ok. Niveau supplémentaire. C'est tout. Ah, c'est bon, j'ai remis, hein. Trois plus puissants à la fin. Voilà, ils pourront résister aux attaques répétées de ces espèces de sagouins. Vu qu'ils attaquent à distance, c'est un peu relou. Ok, toi tu vas revenir rechercher de la vie. Écoutez-moi, bande de rustres, la quête du beau est une chose que vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes des sauvages, vous n'êtes que des rebuts, vous devez mourir. Ça c'est fait. Oh, il est joli. Oh, je ne peux pas mourir ici, c'est impossible, perdre une pareille beauté. Ok, c'est vous. Portez-vous sur votre dos. Oh, cette fille, c'est sûrement une connaissance à vous, mais... Comment serait-ce possible? Tu étais vivant pendant tout ce temps, je ne le savais pas. Bon, je suis pas élu, ça fait... c'est embêtant ça. Léane, savez-vous qui je suis? Tout à fait, vous vous souvenez donc de moi? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Êtes-vous resté ici toute seule pendant toutes ces années? Je te dis.
La forêt l'a protégée, l'a plongée dans un sommeil profond pendant tout ce temps. Je lui suis en sais infiniment gré. Vous l'avez à l'Oberk? Ouais. Je suis Tibarn, roi de Phénicis. Depuis la perte de sa patrie, la famille royale de Serenès est sous ma protection. Qui êtes-vous et pourquoi aidez-vous les gens? Mon nom est Aïk, je suis le commandant des mercenaires de Grail. Je travaille pour l'impératrice, l'apôtre Sanaki, elle m'a chargé de protéger les héros. L'impératrice de ce pays désire protéger les héros? Ah, c'est inouï. Héros a été accusé du meurtre de l'impératrice Misaa. On les a massacrés sur la base de Ouidir. Et maintenant, ce pays veut les aider, comme c'est touchant. L'impératrice Sanaki sait que les héros ne sont pas des meurtriers. Elle s'efforce maintenant de racheter les crimes de son peuple. Non, je ne vous crois pas. C'est facile de répandre en pathétique. De se répandre en pathétique, excuses et platitudes. Les humains ont réduit la forêt de Serenès en cendres. Ils ont tué toute ma famille, je ne peux pas faire confiance à l'un de leurs alliés. S'il vous plaît, ne nous jugez pas avant d'avoir parlé à l'apôtre. Elle attend la lisière de la forêt. L'apôtre est ici? Donc vous êtes l'apôtre. C'est exact. Je suis désolé. Je ne sais pas comment exprimer ma contrition à votre peuple. Mais je suis ici devant vous, je suis venu représenter mon peuple. Du fond de mon cœur, je vous présente toutes mes excuses. Je suis infiniment désolé. Votre Majesté Sanaki, que faites-vous? Vous êtes la pauvre, vous ne pouvez pas vous agenouiller devant qui que ce soit. Lui calme, laissez-la se repentir. Je suis navré, je suis navré. Yann? Que voulez-vous? M'avez-vous dit de me relever? Vous? Mais c'est pas un français! Léon! Mais je sais pas lire l'elfique là! Léon, tu ne peux pas me demander de leur pardonner ce qu'ils ont fait. Tu dormais, tu ignores les atrocités que ces humains nous ont fait subir. Scully. Tu es au courant? Il ne reste plus personne, c'est pourquoi je ne peux pas me libérer de ma haine. Oui, moi, si tu le dis. Mais tout à fait! Je comprends. Bah, prends-moi! Si c'est ce que tu veux. Votre Majesté Snaky, nous acceptons vos excuses. Nous ne pourrons peut-être pas refouler notre sentiment de haine à l'égard des Béork, mais vous n'avez plus besoin de vous soucier de l'avenir de la forêt de Serenès, vous n'êtes pas coupable. Je vous remercie. Vous avez été parfaite. Oui. Sur Aïk, que va-t-il se passer maintenant? Ces deux héros ont dit qu'il y aurait une sorte de cérémonie, mais j'ignore ce que cela implique. Et vous, mercenaire Béork, son Altesse Rezan désigne que vous le rejoigniez tous au temple de Serenès. Il veut que la princesse de Crimea et l'apôtre soient elles aussi présentes. Le temple? Venez avec moi, c'est par là. Votre Majesté Snaky, commandant Sigrun, allons-y! Très bien. Dépêchons-nous, Aïk. Oui. La petite cinématique. C'est joli, hein? Qu'est-ce donc que cela? On est fort en pomme. Mist, écoute, n'est-ce pas la chanson de mer? Pas tout à fait, mais ça y ressemble.
Ah, il faut regarder là-haut. Incroyable. Lord of the forest. Seigneur de la forêt, il est revenu. Returned. C'était excellent. C'est si beau. La forêt de Sérénès, chérie par la déesse, est de nouveau vivante. Ce fut un beau discours, votre majesté, c'est d'elle que j'étais si fier. Sniff. Allons, un peu de retenue, c'est parlé pour pleurer. Je suis désolé, je suis juste si contente. J'ai si tu l'es. Ah, excellent. Un pont vient d'être jeté entre les Laguses et les Béorques. Je crois que ça devrait suffire. Qu'est-ce qui ne va pas, Soren? Tu as l'air si maussade, qu'est-ce que tu regardes? C'est rien, rien du tout. Attends, Soren, que peut-il bien avoir? Wouhou! On a fini! L'air 4! Le chapitre 17, je pense aussi. Eh ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra le chapitre 18 la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. À bientôt, tout le monde! Ciao, ciao!